Et il en fait là, il en fait pas là, il en fait là, il en fait là. Voilà. Et tiens. Oh. Oh, c'est un rêve qui est devenu réalité. J'ai ouvert ma boutique de produits dérivés officiels Team Palmeier. Vous pouvez retrouver des t-shirts, des hoodies, des tasses, des coques de téléphone, des stickers, des débardeurs, des vêtements pour bébés, pour enfants, des serviettes, des coussins et tout. C'est trop cool. Que liker et acheter. Hey, coucou. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau jeu qui est super populaire et que vous m'avez beaucoup demandé. C'est Evil Nune. Donc moi je crois pas que j'ai déjà fait Evil Nune sur ma chaîne. Mais par contre, Max, de la chaîne Délire de Max, je sais que lui, il l'a fait. Et du coup, je suis jalouse parce que moi aussi, j'ai envie de faire Evil Nune. Et vous avez été surtout beaucoup de petits palmiers à me demander de faire Evil Nune. Donc, je vais le faire. Et puis, c'est tout. C'est pas parce que lui, il l'a fait que moi, je peux pas le faire et tout. En tout cas, je suis super content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est tout, ce que je voulais dire. Merci à tous les petits palmiers qui nous rejoignent chaque jour dans la team palmiers. Ça fait super plaisir. Notre famille de palmiers, ça grandit de jour en jour. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche. N'attendez pas, il y a deux vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Ah oui! Je compte sur vous pour faire exploser le compteur des pouces bleus. Et moi, je prends le téléphone parce que c'est un jeu gratuit et c'est parti. Alors oui, donc j'ai même pas expliqué. Evil Nune, c'est un jeu avec l'icône comme ceci. Et on est dans un orphelinat et on doit s'échapper et faire des missions. Sauf que, bien sûr, il y a une nonne psychopathe qui nous pourchasse. Donc c'est un peu comme Granny, mais dans un environnement différent. En gros. Ouh, ça y est, on est à l'écran titre du jeu. C'est joli, c'est noir et blanc, j'aime beaucoup. Et écoutez, voilà. Oh, il y a encore une musique qui fait peur, comme dans Granny. La la la. Oh, j'adore. La musique, elle est trop belle. Bon, alors, dans les réglages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Donc, en qualité graphique. Bon, on va mettre haute, hein, on a un bon téléphone. On commence. Oh, je suis excitée. Oh, il y a une histoire et tout. Ça se passe dans les années 60. Votre enfant a été choisi pour aller gratuitement au nouveau camp d'été organisé par notre école. Vous apprendrez à être une bonne personne grâce à une nouvelle méthode didactique. Oh, c'est dur à dire. Avec les meilleurs soins et l'attention, vous passerez un été inoubliable. Oh, j'ai hâte. Bon, oh, oh, je peux changer mon nom. Alors, je vais entrer mon nom. Donc, Nadège. Candel. Ok. Ah, joli. On va jouer en facile parce que je connais pas. on va pas sauter l'introduction. Et voilà, c'est parti. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'adore découvrir un nouveau jeu. Allez, c'est parti. Jour 1. Oh, mais alors c'est comme Granny, il y a plusieurs jeux. Oh, je suis Nadège Candel et je vais être bon. Oh, et déjà, d'une, quand ils me connaissent, les développeurs, ils ont écrit sur le tableau que c'était mon nom. Et je suis une fille. Faut écrire bonne. Je suis Nadège Candel et je vais être bonne. Bon, c'est pas grave, on leur en veut pas. Alors, je pense que je devrais regarder autour de moi avant de m'arracher. Alors, ah ouais, c'est joli. C'est comme Granny, quoi. D'accord. Et en touchant le côté droit, oh, on peut avancer. D'accord. Oh, super. Oh, un tableau, bonjour. C'est une nonne. Elle a pas l'air très gentille, cette nonne. Alors, on peut s'accroupir, d'accord. Et puis, bon, il y a des boutons, il y a des trucs et tout, d'accord. Ok. Bon, alors, on peut... Oh, faut appuyer sur ce bouton. Oh, il fait rien. Alors, comment on peut faire? Je dois quitter cette école. Bah oui, mais... Je peux rien faire, moi. Et comment je fais, exactement? Oh, non. Bon, eh bien, écoute, on va explorer. Ah, oh, c'est joli, j'adore. Ah, elle est là. Ah, je peux passer par là. Vite. Ah, ah, elle rampe. Voilà. Attendez, je vois plus rien. Oh non, je suis pas d'accord. Ah, oh, va-t'en. Ah, oh, où est-ce que je vais? Par là, y'a quoi? Il ah, y a de la lumière. Ah, arrête. Qu'est-ce que c'est? Oh là. C'est un piège. Y a du feu. Oh là là. Je peux partir par là. Ah, j'ai peur, mes petits palmiers. J'espère qu'elle va pas venir par là. Ne viens pas. Je t'en supplie, Linon. Ne viens pas. Ah, ça fait trop peur. Oh, pourquoi vous m'avez dit de jouer à ça? Elle est barotie, vous croyez? Je peux y aller? Non? Bon, on va essayer. Non? Ah, je l'entends m'arracher. C'est bon. Alors, on y va. Hein? On va partir par là. Cours pour ta vie. Mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Allez, ouvre. Ah, c'est bloqué. Bien sûr. Voilà. Hop là. Elle est où? Ah, où elle est?
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Au début, je crois qu'il a dit qu'il fallait que j'utilise un câble en haut. Il faut que je découvre tout. Ah là là. Mais il m'a dit d'aller en haut et elle allait en haut. C'est un piège. Ah, les coquinous. Oh, en plus, il faut fouiller par-dessous. Oh, on peut fouiller par-dessous. D'accord. Mais attends. Oh là là. Bon, on va la tirer par là. On va aller en haut. Comme ceci. Un peu comme Gurani, on peut la piéger. Voilà, voilà. Elle est rigolote. Enfin, pas la nonne, elle est pas rigolote. C'est moi qui suis rigolote. Par ici. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a rien. Des portes manteaux. Hein? Un panneau électrique. Oh, un câble, elle est... Oh, faut que je trouve un câble. Bon, on va trouver un petit câblonnet. On peut fouiller par ici. Ah ouais. Mais y a rien. Ça servait à rien d'avoir mis... Bon, c'est pas grave. Ici, y a rien. Ici... Oh, c'est quoi? Une carte avec un numéro de téléphone. Ok, pourquoi pas. Pour l'instant, ici, y a rien. Bon. Faut qu'on cherche un câble. Pas facile de trouver un câble, parce qu'un câble, c'est tout petit. Oh, il y a des tire-barres. Oh, il y a des taches dans cette cuisine. C'est moche. Oh, une quelée. J'entends quelqu'un qui marche derrière moi, j'ai tout trop peur. Ici. Oh, le petit câble. Bah, super. Bon, bah, on va peler... Bah, me suis pris le mur. On va peler c'est le câble, là, pour le moment. Alors, ici, comme ceci. Ah, oh, vous avez rétabli le courant électrique qui manquait. Super. Moi, j'adore quand il y a l'électricité. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, elle était juste ici. Oh là là. Heureusement, c'était moi une. Exit. Oh, la sortie, c'est par là. On y va. Oui. Sors, sors. Oui. Il fallait faire l'électricité pour s'en retirer. Oh là, il y a un cadenas. J'ai besoin de la clé finale. Ah non. Oh non, c'est une tragédie. Bon, on va essayer par ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Super, bah bravo. Bon, bah, y a rien ici. Pas grave. Hop, on y va. Mais attendez, ça m'intrigue ce bouton-là qui était dans ma chambre. Parce qu'il y a un chrono. Mais alors, faut attendre quoi? Faut attendre 23h et 55 minutes? C'est un petit peu long. Hein. Oh, mais attendez, si je meurs? Si je meurs? Ça passe 24 heures puisque je passe au jour 2. Mais alors il faut que je meure comme ça délibérément. Oh, il faut que je me jette dans la gueule de la nonne. Oh, un balai. On peut faire le ménage? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a un balai? Ah, oh, peut-être que ça fait partie d'une énigme. Oh, oh là, il y a un piège. Enfin, pas un piège, un code à faire. Il faut que je trouve un code. Ici, c'est quoi? Une chambre? Ok, on peut ouvrir le placard. Mais il n'y a rien dedans. Bien sûr, bien sûr. Par ici. Qu'est-ce que c'est? Une salle de bain. Avec des petites toilettes. C'est un peu moche, un petit peu sale. Hein. Ici, une salle. Oh, ma salle! Oh non, c'est bloqué. Mais regardez, il y a mon nom. C'est trop beau. J'adore. Waouh. Regardez-moi ça. Bon, on n'a pas de tourisme à faire. Hein. Il faut quand même explorer. Mais explorer pourquoi? Parce que, apparemment, faut que j'attende 24 heures. Je vais pas tourner en rond pendant 24 heures. Hein. Ben ça, non, ben voilà. J'ai entendu m'arrocher. Oh! Elle est là. Attendez, c'est quoi ça? Non, mais j'ai pas le temps de prendre les objets. Oh, elle est pénible, cette pénible. Bonjour. Oh, un ballon. Une balle de sport. Tiens, tu veux jouer? Et bim. Oh, elle est mauvaise joueuse. Elle veut pas jouer. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de récupérer ça parce que peut-être que je peux la frapper avec. Attendez, c'est quoi? Un pied de biche. Tu veux un coup de pied de biche? Tu veux un coup de pied de biche? Je vais te donner un coup de pied de biche. Attention, je vais t'assommer. Et tiens. Oh. Elle est méchante. Elle m'a frappé comme ça sur le visage. Ça fait mal. M'a fait mal au palmier. Jour 2. Avez-vous observé le toit du secrétariat? Il y a une pièce cassée. Un 10 à la maison. Bon, en tout cas je suis morte. Donc normalement ça fait 24 heures puisque c'est le jour 2. Voilà, c'est encore fermé. Oh. Bon, on va s'intéresser au truc du secrétariat, parce qu'ils nous ont dit qu'il y avait quelque chose. Alors, je crois que c'est le truc de l'entourée, là, parce qu'il y avait un bureau. C'est ça, le secrétariat? On va regarder. Oh, oh, c'est une couleur différente. On peut monter là-dessus. Ah ouais, fracassé. J'ai besoin d'un objet long. Un objet long. Bon, j'ai pas d'objet long. Le pied de biche? Peut-être le pied de biche. Bonjour, pied de biche. C'est toi qui vas m'aider à partir d'ici, de cet enfer maudit. Allez, oupla, elle était là. On va monter par ici. Fracasse. Voilà, plus long que ça encore.
ça fait du bruit. Oh, le balai. Mais oui, le balai, il est plus long que le pied de biche, normalement. T'es où? Ah, elle est juste là avec son marteau. Oh, 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 elle a fait waouh. Oh non, elle a fait graou. Mais c'est un lion ou quoi? C'est un tigre, cette nonne? C'est pas une nonne, c'est un animal. Oh, oh, comment elle grogne. Waouh, waouh. Attendez, il est où le balai? Bonjour. Ah, elle est là. Bonjour. Prends-le. Mais prends-le. Ah, pas possible, elle est là. Fuis. Cours pour ta vie. Ah, la porte. Oh, on retourne ici. Mais elle va venir. Ah, on monte ici, c'est ça ou pas? Oh oui, c'est ça. Mais attends, non. Mais non, c'est pas ce que j'ai fait. Je pouvais plus bouger. Et bon, il y a un truc qui est tombé dans le haut. Jour 3. Maintenant que vous avez la boîte à biscuits, cassez-la pour voir ce qu'elle contient. Je casse la casse. Faut que je casse la boîte à biscuits. Il va y avoir des biscuits. Mmh, ah ouais. J'adore les biscuits. Allez, je dois quitter cette école. Bah oui, bah da. Oh, bah quitte-la. Cette école, tu l'aimes ou tu la quittes? Ah, rigolo. Bon, je sais pas où elle est. Oh, rototo. Alors on va prendre la boîte. Mais comment on la casse? Faut l'acheter? L'acheter contre le mur. Bim. Non. Ça l'a pas cassé. Peut-être qu'il faut que je la lance de plus haut. Je sais pas. Parce qu'il y aura plus de force. Parce que si on part de plus haut. Elle est vraiment trop méchante. Elle est mauvaise. Elle est ma pas belle et tout. Elle est méchante. Pourquoi est-elle aussi méchante? Moi je lui ai rien fait. Bon bah on remonte. En plus on n'a pas exploré par le tout. Peut-être qu'il faut trouver un marteau pour casser la boîte à biscuits baby. Alors par ici. Oh, une porte. Y'a quoi ici? Rien, rien. Rien. Oh, un placard. Rien. Ah bah si, y'a une pelle. Par ici, y'a quoi? Bah y'a rien. Elle arrive, comment je fais pour me cacher ici? Se cacher. Ah, je suis caché. C'est bon, elle s'en va. Bon, on dévoile. Je lance la boîte. Ah, la boîte de cookies a ouvert avec le smash. On va aller voir ce qu'il y a dans la boîte à cookies. On y va! Dépêche-toi! Bonjour! T'es là? T'es pas là? Je sais pas, mais moi, faut que j'aille là-bas. Ah, il y avait quoi dedans? Oh, la queue de la porte principale! Mais alors, c'est la porte qu'on était là-bas avec le cadenas et tout! On peut s'arrêter? Ah, bonjour! Cours! Cours pour ta vie! Cours, 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 cours! Ouf! Ouf! Ah! Oh, je me suis échappée! Oh, mais il peut pleurer! Oh, la musique! Gagneillé. Ah ouais? Oh, regardez. Ah bah voilà. Ça s'est ouvert. Oh, c'est super sympa. Waouh. Ah bah, écoutez, c'est cool. Vous avez quitté l'école. Retour au menu. Alors, on peut pas continuer. Oh, faut tout recommencer. Y'a des scandales, patate. Jouer. Ah, y'a l'interrodiction. Ah, alors on est dans la voiture. Ok. La porte, elle se ferme toute seule. Oh, on roule dans les arbres, c'est joli. J'adore. Oh, mais... qui conduit? On dirait une sorte de nonne aussi. Mais je vois pas très bien. Elle nous emmène où? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui? Oh, un bâtiment. On va où là? Hein? Un garage? Oh! Ah non, mais c'est encore elle. Reviens. Ils nous ont abandonnés. Ça fait peur. Bon. Super, on est de retour dans l'orphelinat maudit. Jour 1. Ok. Bon. Je suis Nadège Candle et je vais être... bonne. Bah ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, c'est ouvert maintenant, on peut y aller. Oh, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette porte un petit peu mystérieuse? Oh, je vais refermer derrière moi, on sait jamais, on n'est jamais trop heureux de l'entin. Hop, la mère hostie. Alors, c'est bizarre, on dit. C'est quoi ce bruit? Ah, découvrez le bunker secret. Mais il y a des tableaux blancs. Tout est blanc. Ah, c'est quoi ça? Un gural. Oh. Quand je le prends, il arrête de faire le bruit, écoutez. Là, il fait du bruit. Là, il en fait pas. Là, il en fait. Là, il en fait pas. Là, il en fait. Là, il en fait pas. Là, il en fait. Là, il en fait. Bon, on va peut-être pas s'amuser 3000 ans avec ceci. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? Faut que je pose ici? Allez. Ça fait rien. Bon. On récupère le gural. Il est magique, il clignote. Ah, c'est joli. Oh, j'ai activé ce... Mais non, mais... Active. Maintenant, va poser. Ah, il faut que je reste dessus. Ah, d'accord. On pose ici. Oh, qu'est-ce que j'ai des belles queues? Ah, de l'eau. Oh, 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 oh.
Rigolo. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une télé. Pourquoi ça tourne? Le mystère du cimetière. Résolvez les nouveaux casse-têtes pour obtenir un nouveau morceau de masque. Oh! Écoutez, c'est mystérieux. Oh, on garde ça pour la prochaine vidéo. Ah, ouais. Il a l'air super bien ce jeu. Bon, en tout cas, moi j'ai fait l'introduction et j'ai débloqué le premier chapitre. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ce premier chapitre, qu'on continue l'aventure Evil Nune. Laissez plein de petits pouces bleus si ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à moins l'un de vos amis pour faire grandir la team palmier. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Mouah, mouah. Bye bye.